Comme c'est le début de l'année, on dirait qu'on a de la visite. Une visite du cirque, d'après ce que j'observe. C'est une fille ou un garçon? Est-ce que c'est vraiment important? Toi non plus, tu sais pas! Arrêtez d'être autant... Autant quoi? En retard à l'école. Je suis arrivée à temps pour la récréation, c'est ce qui compte. Hey, c'est qui notre professeur cette année? On est dans la même classe, j'espère. Oui, on est dans le même groupe que Gavin aussi. On a Monsieur Mangin. Et Maël? Il est avec Madame Desormiers. Mais sais-tu qui on a dans notre groupe? Qui? Attends, laisse-moi deviner. Le beau Jules? Non, pas lui. Jenny. Moi qui pensais qu'on pourrait recommencer une nouvelle année sans l'avoir dans nos pattes. Et je sais, elle est tellement la pire en classe, là. Toujours en train de poser des questions puis de participer. Elle retarde tout le monde. Non, je ne disais pas dans ce sens. Bref, j'espère qu'elle est prête à se faire tourmenter. Cet été, j'ai vu Jenny, puis j'allais... Hey, Jenny Calvici, Jenny Calvici. Calvici.
Où sont toutes mes affaires? Tous mes jouets? Calme-toi, bon sang. Maman nous avait prévenu qu'on déménagerait vers fin mai. Tu commences à me taper sur les nerfs. Utilise ton cerveau des fois, Marine. Mais... Je m'en vais chez Cassandra. Tu vas être correcte seule ici. C'est bientôt le souper, Axel, et tu as promis à maman que tu allais t'occuper du souper. Axel, s'il te plaît, reste ici. Tu n'es plus un bambin. Je crois que tu vas réussir. De toute façon, j'ai eu une mauvaise journée à l'école. Je préfère vraiment aller décompresser chez mon ami que rester avec toi. Je peux être réconfortée, moi aussi. Non, merci, sœurette. Axel, reviens! S'il te plaît! J'ai vu hier ce que t'as écrit en dessous de la publication de Jenny. C'est hyper drôle. Honnêtement, c'était juste sur le moment que je... En parlant du loup, même si je la vois plus comme un canard dans ma tête... Hey, Jenny Calvici, je peux-tu voir ton crâne une seconde? Quoi? C'est génétique, non, la calvici? Dis-lui quelque chose. C'est toi qui as commencé après tout. Quelque chose de gentil. Non. Des fois, je me demande pourquoi je suis amie avec une conne comme toi. Ok, ok, j'ai compris. Je faisais juste niaiser. Jenny! As-tu aimé le commentaire que j'ai laissé en dessous de ta publication? C'était juste une petite blague. Est-ce que tu es en train de me démontrer que tu ne trouves pas drôle? Tout le monde commente sur mes cheveux maintenant. Tous les élèves parlent dans mon dos. Je ne sais pas qu'est-ce que je t'ai fait, Marine, mais au moins une fois par semaine, tu m'harcèles et ensuite tu fais comme si de rien n'était. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais... En effet! Alors ferme-la, gros canard! Gros canard! J'adore! Que diriez-vous d'un petit travail d'équipe pour commencer l'année du bon pied? Est-ce que nous avons vraiment un choix? On va pouvoir choisir nos équipes, j'espère. Parce que sinon, moi je vote non. J'approuve. Si je me retrouve avec le canard, je serai vraiment fâchée. C'est moi le canard? Qui d'autre? Pas vrai, les amis? Marine, Frédérica, Gavin et... Jasmine? Arrêtez de déranger le groupe. Monsieur, son nom c'est Canard. Oups, je veux dire Jenny. En tout cas, c'est pas Jasmine. Comparer une princesse Disney à un canard, c'est quand même vraiment embarrassant. Hein? De quoi vous parlez? Ah, oh, ça va être une longue année. Je le sens déjà. Je ne comprends pas comment Jenny a le droit d'être en équipe seule. Et nous, on doit accueillir Artino dans la nôtre, comme si on est un centre d'hébergement. On n'a pas besoin d'un éthélo poisseux dans notre équipe. On est capable de travailler à trois. Ce n'est même pas notre ami. C'est nul qu'on doive l'inclure. Monsieur Manguin nous a ciblés. Il a fait exprès pour... Je suis là. Depuis le début de votre conversation. Je voulais juste me faire des amis puisque je suis nouveau. Je pensais que vous aviez l'air gentil, mais vous êtes horrible! Horrible? Je vais demander au professeur de me changer d'équipe. Perdez pas votre temps avec moi. D'accord, merci. Bonté par eux.
On doit s'excuser, voyons. Il a raison. Il a quand même raison, dans un sens. Peut-être pas en ce moment, puisque nous avions dit à M. Morgan que nous voulions être juste trois, mais... Arrête de penser à voix haute, Marine. Si vous êtes ici en ce moment, c'est pour rejoindre ma fameuse équipe de cheerleading. Bien sûr, vous n'allez pas tout être choisi. Les meilleurs et les meilleures pourront entrer dans mon groupe. Commençons avec Evelyn Adams, Léana Belli. Vous allez suivre la chorégraphie de Lia et June High, deux cheerleaders qui sont déjà dans notre équipe. Lia est dans l'équipe. Est-ce que les anciens membres ont le droit d'expulser un candidat de la sélection? Je sais pas. C'est à moi de jouer. Tu me répéteras ta question après? Souhaite-moi bonne chance. Tu vas réussir, c'est sûr. Tu es la candidate parfaite pour eux. Belle, mince... Alex Singh. Madame, venez-vous juste de nommer Axel? Alex Singh, oui. Un problème, ma chère? Aucun. Ça va être intéressant. Personnes ont été sélectionnées. Tout le monde était impressionnant à leur façon. Des filles que je pensais être dans les meilleures se sont avenues à être pas très bonnes. Je sens qu'on est visé. Et des personnes que je n'aurais jamais imaginé avoir un talent en cheerleading ont une compétence élevée. Alors, voici les trois nouveaux membres de mon équipe de cheer. Octavie Devo, Seb Gagnon et Alex Singh. Quoi? Bravo! Merci. Je... ne m'attendez pas à ça. Marine me dit que mes jupes ont l'air trop petites pour moi. Elle m'a dit en pleine face qu'elle me trouvait grosse. Ça doit être vrai si elle insiste autant. De toute façon, l'Égypte, c'est le truc de Marine. Moi, je m'aime bien comme je suis. Ou je m'aimais. Maman! Oui, ma chérie? Est-ce qu'on pourrait m'acheter une paire d'uniformes plus grandes? Et juste des pantalons cette fois. Je n'aime plus l'Égypte. Quoi? Pourquoi? Tu es si jolie en ce moment. À quoi cela servirait? Mon uniforme est un peu trop serré, non? Jenny? D'où tu prends cette information? Ce n'est pas grave, puisque c'est vrai. C'est faux. Qui t'a dit ça? Ma chérie. Marine. Marine Singh? La fille d'Anita. Je pense qu'on parle de la même fille. Elle n'était pas ton amie en première année?
Jules est seul. Ouais, mais il parle avec Monsieur Machin. Ça n'est même pas son prof. Qu'est-ce qu'il fait? Je devrais aller le rejoindre. Ben oui! Jenny, j'ai une question pour toi. Moi? Il y a seulement une Jenny. Oui, je me souviens encore que vous ne vous souvenez pas de mon nom. Vous m'aviez appelée Jasmine, je crois. Bon, on était au début de l'année. Désolé. Ça fait 4 mois maintenant. On est presque amis. Salut. Marine, quoi? Savoir quand les autobus partent? On va vous laisser avec. Marine. Son nom, son vrai nom est Marine. Ouais, c'est vrai. Merci, Jen. Jen. Alors, on part pour le camp d'hiver dans 10 minutes. Est-ce que tu connais ton numéro d'autobus? Non. La personne qui se tient avec moi est dans l'équipe des cheerleading. C'est bizarre. T'aurais pu avoir 2 amis dans l'équipe. Tu peux toujours essayer l'année prochaine, Evelyne. Je suis passée me pratiquer pour notre concert ce soir. Est-ce que vous êtes occupée en soirée? Mes parents sont à la maison. Je peux, mais... pas chez moi, comme d'habitude. Pareil pour moi. Evelyne? Axel? On est encore en transition de maison. C'est compliqué. Hey, depuis quand tu te maquilles plus, Axel? Je trouve ça trop féminin. Me maquiller attire trop l'attention des autres. Et ce n'est pas de l'attention positive. Tu te changes pour les autres? Bravo, champion! Tu te plies aux demandes de la société. Ah, j'ai une idée! On pourrait aller se pratiquer dans un parc, devant une audience. Je déteste pas l'idée, surtout que c'est une des seules solutions. On en pense quoi? Ouais. D'accord. Bro, pourquoi tu discutais avec le canard? Le canard? Jenny! Ah, je ne sais pas. Elle était seule et donc... je l'ai invitée à la conversation. Elle est vraiment gentille et... Marc, tu peux pas lui parler. J'ai le droit de parler à qui je veux, Frédérica. D'ailleurs, j'allais l'inviter à nous rejoindre pour le séjour. Mais puisque vous ne l'aimez pas pour aucune raison... Tu vas l'abandonner et juste rester avec nous. Non! On ne doit pas laisser Jules dans les griffes de Jenny comme ça. Il ne veut pas nous rejeter pour elle. Je parlais! Est-ce autant difficile de m'écouter? Quoi encore? Ne me parle pas sur ce ton! J'ai eu la pire journée. Je suis sûre que l'IA a dit quelque chose de méchant sur moi aux autres membres de l'équipe. Ils me regardent tout croche, comme si j'ai la peste. C'est horrible! Je suis triste pour toi, moi aussi. Je n'ai pas fini, Sorette! Tu voulais que je m'ouvre à toi? Eh bien, voilà ce que je subis à l'école. Je voulais entendre plus de toi, mais je voulais aussi qu'on se rapproche, que les deux on puisse être là pour l'autre. Tu sais, puisque maman et papa s'en souvent... Ferme-la! J'ai besoin de ventiler! Ok, alors, en plus, ils ont osé me dire... Non! Ça ne marche pas comme ça. Je ne veux pas écouter tes problèmes. Je suis toujours toute seule. Qu'est-ce que je suis supposée mettre dans ma valise pour mon voyage scolaire? Avec qui suis-je supposée parler de tout et de rien? J'ai personne.
Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Ils ne m'ont pas laissé entrer pour me changer dans le vestiaire des filles. Les garçons de l'équipe de cheerleading ne m'ont pas non plus laissé entrer dans leur vestiaire. C'est horrible! T'as fait quoi? Je me suis changée dans les toilettes. Au moins, on en a des non-genrés. Et tu l'as dit au coach, j'espère? Non, tu es folle! Elle va m'enlever de l'équipe si elle voit que je suis problématique. Mais c'est les autres le problème, pas toi, Axel. Sauf qu'ils sont plus. Elle ne veut pas renvoyer toute l'équipe et garder le ni fille ni garçon. Tu veux juste te laisser intimider, alors? Non. Tu prépares une vengeance, alors? Sacha sera trop heureux de t'aider et Cassandra va s'impliquer aussi. Non. Je vais leur donner ce qu'ils veulent. J'y pense encore. On se voit demain. J'arrive pas à croire qu'on a dû accepter Jenny dans notre groupe pour les activités. Et je l'ai réussi à convaincre les gars d'essayer d'apprendre à connaître Jenny avant de la juger, mais nous, là, on va pas se faire avoir. Elle va pas s'inclure dans notre vie comme ça. Pas vrai? Jenny m'agace énormément. D'accord, nous avons la piste de glissade en premier. Ensuite, si nous avons le temps, nous pourrons échanger de pistes avec les autres groupes pour aller faire du ski ou du snowboard. Est-ce qu'on peut tous rentrer dans le traîneau? Monsieur, pour préciser, juste nous six. Pas Jenny, ni vous. Deux personnes maximum dans les traîneaux. Poche! Je crois que vous allez survivre. Jules, on se met ensemble? Ouais. De glisser, là. C'est quand qu'on part? Je ne sais pas. Au moins, tu es hyper stylée dans ta tenue d'hiver toute rose. Moi, je ressemble presque à un garçon en ce moment. Merci, Marianne. Je pensais que tu allais jamais remarquer mes nouveaux vêtements. C'est vraiment beau, Frédérica. Ouais, les tenues monochromes sont à la mode en ce moment. Je sais! Ma maman m'a acheté un ensemble d'hiver tout mauve. Vous en pensez ouais, quoi? Ouais, c'est pas la même chose. J'aime pas le tien. C'est un petit peu... too much. Mais pourquoi... De quoi vous... C'est laid, Jenny. Ça a l'air ridicule. Tu m'entends? Ridicule! C'est pas assez vite. On n'a même pas pu faire du ski. Les enfants, c'est le temps de manger un bon dîner. Après, vous resterez sûrement à l'intérieur dans vos chambres de camp pour parler entre amis. Il commence à faire vraiment froid de toute façon. Marine, Monsieur Mangin va mettre Jenny de gros canards dans notre chambre, je le sens. On doit la séparer de Jules! Elle n'est pas si pire, je trouve, et Jules l'aime bien. Il t'a dit ça? Ben oui. Il ment. Oui, il lui ment. Tellement qu'il blague quand il prétend être son ami. C'est toute une farce pour la rendre misérable. Hey, ça serait cruel, ça! Mais c'est pas ça la réalité. Frédérica, j'ai une idée. Je sais que tu vas l'aimer aussi. Ok, j'écoute. Et si on disait à Jules qu'on veut faire une blague à Jenny pour l'accueillir dans notre groupe? La blague serait qu'il a fait semblant d'être son ami depuis le début. Si tu vois où je veux en venir.
Le gros canard va pas penser que c'est une blague puis avoir arrêté de lui parler. C'est un merveilleux plan. On le fait demain. Maman, je m'en vais à l'épicerie. Veux-tu que je te rate dessus? J'en sens un qui monte. Pourquoi tu m'agaces encore? Je suis plus ni fille ni garçon. Regarde-moi, j'ai des vêtements noirs. Je ressemble à un adolescent normal. Tu ressembles à quelqu'un de normal, je te donne ça, mais je sais ta vraie nature. T'es anormal. Vêtements d'hiver. Jenny, bon matin. Les filles m'ont dit que tu voulais qu'on parte sans toi, car tu avais des problèmes digestifs. Bref, va rejoindre tes nouveaux amis. Le gros canard est de retour. Redonnez-moi mes vêtements d'hiver, les filles. De quoi tu parles? Vous le savez. Sûrement que tu les as perdus. On n'a rien à faire avec ça. Arrêtez! Je les avais mis sur le bord de mon lit. T'inquiète pas. C'est pour le meilleur. Puis je suis certaine que tu vas les retrouver avant notre départ. Ou pas. Si vous ne me les rendez pas, je vais le dire à qui? Monsieur Manguin n'a pas remarqué que tu n'es plus une grosse boule mauve, non? Il pense peut-être que j'ai deux combinaisons d'hiver. Ou il se fiche de toi. Je vais le dire à Jules. Il va me croire, lui. Ma petite naïve. C'est pas vraiment ton ami, voyons. Quoi?
Jules, tu fais semblant d'être amie avec Jenny, pas vrai? Ah oui. Ouais. Quoi? Il ne t'a jamais aimé. C'est drôle, non? Il m'aime moi, d'ailleurs. Arrêtez! Arrêtez de rentrer le couteau dans la plaie! Arrêtez de me suivre! Allez dehors! Laissez-moi tranquille! Non, gros canard! Tu vas m'écouter ou je vais te faire m'écouter! Non, j'en peux plus! Pourquoi es-tu autant méchante avec moi? C'est une chose de me traiter de nom devant tes nouveaux amis pour avoir l'air supérieur, mais de me ruiner, de faire croire que je suis en fait faire une amie, de voler mes choses? Non! C'est trop! C'est toi qui... Hey! Marine, viens avec moi! T'exagères! C'est ça! C'est toujours moi le problème! Oui, en effet. Désolée, Marine, mais je crois que c'est le temps d'aller chacune de notre bord. Non, tu ne le penses pas vraiment. On n'est plus amies, la folle! Puis oublie pas de redonner à Jenny ses vêtements, ou sinon je veux pas me retenir de raconter tes manigances à Monsieur Mangin. Frédérica, reviens! S'il te plaît! Frédérica, reviens! Frédérica, reviens! J'ai même pas la vérité, je suis juste méchante. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you so long and I watch your blue eyes fade to grey. Cause you fade away. Let me go! Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. It's a new day, and nothing's really quite going your way. Got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared, and I find you feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. And everything breaks at the same. Sometimes things go wrong, and one day everything's gone.
talks and it hurts. It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. So stay strong and push through it. Your willpower's everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things? Never said seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. See you.